네, 여러분 안녕하십니까? Bonjour à tous. 여러분 방금 보신 영상은 경부고속도로 서울 들어가는 초입에 있는 La vidéo que vous venez de suivre, 좋은 교회, c'est제일 la plus bonne유명한 교회, église이름 qui est아십니까? en premier lieu de l'autoroute성령입니다. Gyeongbuk. Vous connaissez cette église,저희가 사실 laquelle c'est l'église좋은 mission de la교회는 Bonne Nouvelle de안 Gangnam.보여드렸어요. En fait,너무 많이 게이트 바로도 오실까 봐. il y a plus d'autres belles그냥 photos보시는 et vidéos, mais on분들만 n'a pas tout montré parce오셔서 qu'on pense que길에 beaucoup de gens vont venir코스가 faire있더라고요. leur그래서 promenade ici avec ses그분들은 copains. En서울 tout cas,한복판으로 데이트하러 가시더라고요. 기쁜 소식 il y a des강남교회는 gens qui vont dans la ville, au centre-ville de Séoul pour sortir ensemble, mais bien aimé, il n'y a pas vraiment un lieu comme l'église de Gangnam pour sortir ensemble. Venez ici, aussi écouter la parole, ce qui est la plus importante, et faites aussi beaucoup d'entretiens. Je suis très reconnaissant de continuer ce camp d'hiver avec vous. À l'après-midi, à partir de 14h, il y a Académie. Nous avons déjà présenté les académies qui sont sur la chaîne YouTube et l'application Good News TV. Donc, vous pouvez écouter ces académies et faire la réunion de groupe en partageant sur ça. Et le soir, comme toujours, ça commence à 19h. Donc, venez jusqu'à 19h et chez vous et ou à l'église, écoutez la parole. Les vidéos préparées et les théâtres, vous pouvez suivre avec les prestations de la Chorale Gracias. À présent, avant d'écouter la parole, nous allons suivre les prestations de la Chorale Gracias. Elle a préparé trois morceaux. Et applaudissez très fort la Chorale Gracias. Thank you.
현재 들어도 아름다운 그라시아 사업창단의 찬양이었습니다. 이 시간에는 저희가 말씀을 듣겠습니다. 매시간 들려지는 말씀이 저희들의 마음에 정말 힘이 되고 믿음이 되고 너무 즐거운 시간입니다. 여러분들 그러시죠? 네, 이 시간에는 저희 겨울 캠프 주 강사이신 박옥수 목사님을 모시겠습니다. 우리가 이렇게 모여서 하나님의 말씀을 듣고 있습니다. Nous sommes réunis ici et nous écoutons la parole de Dieu. 그냥 이 말씀은 우리 귀에 들어와서 우리 마음에 자리를 잡으면 Si seulement cette parole peut entrer dans notre cœur à travers les oreilles, s'établir dans notre cœur. 예수님의 마음으로 마음 이렇게 변해가 되죠. Alors quiconque vous soyez, vous allez changer au cœur de Jésus. 말씀을 전하는 사람이 된 게 얼마나 감사한지. Et si je pense à cela, je suis très reconnaissant que je suis devenu quelqu'un qui prêche la parole. Je pense que pour vous aussi c'est pareil. 자신이 예수님 안에서 때로 뭐 부족할 때도 약할 때도 있지만 일하신 것은 너무 감사. Moi-même, en Jésus-Christ, j'ai des faiblesses et des lacunes, mais je suis reconnaissant que Jésus dirige ma vie. Si seulement, je peux accepter cette parole dans mon cœur, si votre cœur devient un avec la parole, alors vous n'êtes pas seulement un homme faible ou lacuneux, mais votre cœur va changer au cœur de Dieu. Et si je regarde ça, c'est très étonnant et c'est aussi mystérieux. Je suis en train de prêcher continuellement Hébreux chapitre 10. Je vais lire Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1 à 10. 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자여 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 바 같은 제사로 나오는 자들 언제든지 온전케 할 수 없습니다. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boues ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as créé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Et
둘째 것을 세우려 하십니다. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. J'ai lu jusqu'au verset 10. Beaucoup de gens lisent cette Bible. Mais lorsque nous lisons cette Bible, entre le cœur de Dieu qui nous a donné cette parole, quiconque que vous soyez, si vous avez ce même cœur avec Dieu, si selon votre cœur vous acceptez cette parole en vous et lorsque cette parole s'accomplit, là, Dieu va travailler étonnamment dans votre vie. Et ça, c'est très étonnant. Je suis allé une fois dans l'armée. J'ai été dans la base de communication et j'ai fini la formation de la 54e édition. Et puis, je suis allé à Wonju pour la base de communication. Et donc, nous avons une formation spéciale, c'est les sergents de communication. Et donc, nous avons plusieurs cours à recevoir. J'étais dans ROC, Radio Operator, et après, il y avait RVC. Ça, c'est Radio Voice, donc opérateur radio et voix radio. Et donc, on apprend comment appeler les gens ici, montagne, Halla, etc. Après, nous avons la connexion des lignes. Et après, nous avons aussi la base, le cours de diffusion en ligne, en fil. Et puis, il y a aussi les radios hors ligne. Donc, en tout cas, il y a des formations que nous recevons spécialement comme ça. Et à ROC, on fait 3 semaines de formation. Et CSROC et autres, on fait pendant 5 semaines. Donc, en tout cas, au total, nous recevons la formation pendant 16 semaines. Et dans notre base, il y avait l'éducation de officier. Et donc, le soldat de deuxième soldat, s'il reçoit la formation, il peut devenir l'officier. Et, mais dans notre base, si vous finissez la formation, le soldat de deuxième classe va devenir le soldat de première classe. Et donc, moi, j'ai travaillé dans cette base depuis ma formation jusqu'à ma fin parce qu'un officier m'avait aidé en ce temps. Et mais dans notre base, chaque soir, il y avait beaucoup de gens qui fuyaient le camp. Oh, pour moi, j'ai trop aimé ce centre de formation de communication. Même si on me dit de vivre en tant que soldat de deuxième classe pour toute ma vie, je pense que je pourrais faire. Un jour, j'ai fini l'éducation et puis j'ai été chargée de l'examination, du domaine d'examination, d'examen plutôt. Et donc, d'abord, les soldats qui entrent doivent passer l'examen et après, on les classifie en rang. Et donc, à la fin de la formation, ils vont sortir en suivant leurs notes, le point qui a été donné. Donc, moi, j'ai étudié là-bas pendant 3 ans et j'étais très heureux. Si on me dit de rester étant soldat de deuxième classe pour toute ma vie, je pourrais le faire. Donc chaque semaine, le samedi, lorsqu'il y a de nouveaux soldats qui viennent, alors comme je suis leur seigneur, le seigneur, alors donc je peux un peu séparer les gens, ceux qui vont à l'église, ceux qui ne vont pas à l'église. En
En fait, la première force dans notre base était le quartier général. Et l'église qui est là-bas, il y a environ 15 ou 20, mais dans mon église, il y avait 200 personnes qui venaient. Or, moi, j'étais seulement soldat de deuxième classe et j'étais très content. Une fois, j'ai pensé, ah, je voudrais faire une fois un séminaire ici à notre base. Et donc, j'ai fait un plan pour faire le séminaire. Et donc, je suis entrée dans la salle du capitaine et j'ai dit, je suis venue pour une demande. Il a dit, oui, quelle est ta demande? Ah, je voudrais organiser un séminaire. C'est quoi un séminaire? Ces apprenants ne sont pas faciles ici et leur cœur aussi est difficile. Donc, on va inviter quelqu'un pour leur prêcher la parole, pour donner de la paix dans le cœur. Où est-ce que vous faites ce séminaire? Au moins 1000 personnes peuvent entrer dans le restaurant. Donc, le soir, on va le faire. On va demander ça à la ville et nous allons appeler aussi la chorale. Donc, nous voulons faire un séminaire qui peut donner de la paix dans le cœur des soldats. Et donc, quand nous sommes allés en profondeur dans cette discussion, alors le capitaine m'a demandé où est-ce que va dormir l'orateur. Donc, j'ai dit à l'orateur, c'est mon ami à moi, donc nous allons dormir dans l'église sous un lit en bois, sur un lit en bois. Mais il a dit, mais quand même, si l'orateur, il faut bien l'accueillir. J'ai dit, non, ça va. Alors, comment il va manger? Il va manger avec moi quand je vais prendre le repas au restaurant. Ça veut dire qu'on va offrir ce repas, ce mets des soldats à l'orateur. J'ai dit oui, ça va. Mais le capitaine m'a dit pour toi ça va, mais pour moi ça ne va pas. Alors ne me demande pas. Ne vient plus la deuxième fois à moi. Jusqu'avant que le problème du repas soit réglé, ne vient jamais me voir. Or, on était déjà presque au séminaire. Et puis, j'ai réfléchi et je suis entrée. L'aumônier qui est au quartier général, à côté du colonel, et j'ai dit salut. Il a dit oui, vous êtes venu de la base de communication. J'ai dit oui, vous êtes soldat. Il m'a demandé est-ce que vous êtes soldat religieux, mais en tout cas, dans notre base, il n'y avait pas de soldat religieux. Mais j'ai dit oui, je suis soldat religieux. Et je lui ai expliqué toute la situation et il a dit, d'accord, je vais appeler le capitaine. En fait, notre capitaine, il est lieutenant, mais capitaine. Mais celui à qui j'ai parlé, l'aumônier, il était le commandant, donc il est un peu plus élevé, encore comme il est d'un autre degré. Donc ce commandant a parlé à ce capitaine, il a dit à Soldat Pak m'a dit telle chose. Après, il a dit non, à cause du problème de repas, on ne peut pas faire ce séminaire. Alors le commandant a dit au capitaine, ah, c'est vrai, vous avez raison, mais d'abord, je vais chercher vraiment de moyens pour ça. Donc, il faut d'abord lui donner la permission. Donc, comme il est commandant, il est plus élevé, alors le capitaine ne pouvait pas dire d'autre chose. Et c'est comme ça, on a invité l'orateur et on l'a invité le soir au repas. Mais à l'époque, le commandant de l'armée de terre, en fait, lui aussi, il était vraiment dans une condition difficile. Sa maison aussi était pauvre. Cependant, il nous avait invités au repas. Et après, j'ai écouté qu'il a joint l'armée américaine aux États-Unis. Et donc, je voulais le voir à New York, mais après, j'ai écouté qu'il est décédé. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir.
Parfois, il visitait une fois notre armée, il me demande si je vais bien et il m'avait beaucoup aidé. En faisant le séminaire là-bas, vraiment, on pouvait prêcher la parole pendant une semaine. Aussi, nous avons demandé la chorale dans la ville, on a invité la chorale municipale. Et donc, c'était pas en fait très grand, mais j'étais très satisfait dans mon cœur d'avoir organisé ce séminaire. Moi, en vivant 3 ans dans l'armée, en fait, quand je voulais aller à l'armée, je suis allée saluer les grands, ils m'avaient donné beaucoup d'argent, mais je me suis dit, moi, je suis un homme de Dieu, je rentre dans le camp militaire, est-ce que j'ai besoin de l'argent? Mais à l'époque, avant d'entrer dans l'armée, j'étais dans l'église de Changpali, et là, il y avait beaucoup de frères et sœurs qui n'avaient pas de Bible. Donc, j'ai envoyé en livraison la Bible pour chaque frère et sœur. Et donc, en ce temps, j'avais 500 won de billets. Et j'ai mis ça juste derrière ma Bible, j'ai collé ce billet. Mais comme un frère, un ami à moi avait besoin d'un uniforme d'ouvrier, donc je lui ai donné 500 won de billets et il m'a resté seulement 30 won. Et quand je suis allée dans l'armée, en fait, on prend beaucoup de repas en groupe, donc on dit de payer pour ce repas. Et au premier temps, quand je suis entrée dans l'armée, j'ai dit au début, je suis désolée, je n'ai pas beaucoup de l'argent. Mais vous pouvez prendre tout mon salaire mensuel qui doit me revenir. Et aussi, vous pouvez prendre toutes mes cigarettes parce que moi, je ne vais pas participer au repas en groupe. Et moi, depuis que j'ai commencé l'armée jusqu'à la fin, je n'ai jamais pris de rémunération de salaire. Mais cependant, ça ne m'a causé aucun problème parce que quand je vivais avec le Seigneur Jésus pendant toute ma vie, avoir le même cœur avec Jésus. Et donc, comme ce qui est dans la Bible, si je perds cette telle qu'elle est dans ma Bible et si j'ai le même cœur avec Jésus, alors le monde entier devient pour nous. On ne peut pas comparer. À cause du COVID-19, on ne peut pas faire le séminaire. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? On a fait en ligne. Et ce qui est très étonnant, 276 chaînes de télédiffusion ont diffusé notre sermon et donc des milliers de personnes dans le monde ont écouté ma prédication. Ça, c'était l'année surpassée. L'année surpassée en automne, 655개 방송의 제 설교를 준비해 주어서 655 émissions ont diffusé mes sermons. 약 그 시청률 계산 약 20억이 제 설교를 들었다. Lorsqu'on a calculé le taux de téléspectateurs, il y avait 2 milliards de personnes. Et donc, depuis que mes sermons ont été diffusés aux États-Unis, cette fois-ci, quand je suis allée en Afrique, ces gens étaient tous étonnés. 와 저희 그 집회 해주고 j'étais très reconnaissant parce que tous les médias sont venus diffuser notre séminaire. Nous sommes en train de regarder le cœur de Dieu qui est dans la Bible. La Bible, qu'est-ce qu'elle dit? La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Bien-aimés, écoutez-moi attentivement. Aujourd'hui, la plupart des personnes pensent que la vie spirituelle, c'est de bien observer les 10 commandements. Ces 10 commandements, on appelle encore ça la loi. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir
et non l'extra-représentation. Combien de pasteurs connaissent cette vérité aujourd'hui en Corée? Il dit si vous respectez les 10 commandements, vous serez béni. Si vous menez bien votre vie spirituelle, vous êtes béni. Tenez bien le jour de sabbat, ne péchez plus. Ça, c'est l'ombre, ce n'est pas l'exacte représentation. Alors, nous pouvons regarder la loi en trois choses. On appelle le livre de la loi les cinq commandements de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ou bien, on peut aussi appeler la loi, c'est ces 10 commandements qui sont mis dans l'arche de l'Alliance. Ou bien aussi, on peut appeler la loi le sacrifice expiatoire qu'on faisait quand on tuait les boues et les veaux et les chèvres. Mais lorsque Hébreux 10, verset 1 dit en effet, la loi qui possède le nombre des biens à venir et non l'ex-représentation des choses, ici, cette loi représente quoi? Ça veut dire le sacrifice qu'on donnait selon la loi. Donc, à chaque fois qu'on péchait, on tuait un taureau ou un bouc pour le sacrifice du péché, mais ça, c'est l'ombre, ce n'est pas l'exacte représentation des choses. Alors, dans l'Ancien Testament, beaucoup de gens avaient tué de taureaux ou de bouc pour recevoir le pardon de leur péché, mais ça, ce n'est pas l'exacte représentation, c'est l'ombre. Et lorsque les gens ne lisent pas ici cette ombre des biens à venir et dépassent ce verset et ils pensent que la loi, il faut la garder. Vous avez lu dans la Bible certainement. Est-ce que la loi, c'est l'exacte représentation ou elle est l'ombre? Elle a une ombre. Alors donc, est-ce qu'une ombre peut laver le péché? Est-ce que le sacrifice de tuer un taureau ou un bouc peut laver notre péché? Mais les gens sont ignorants. Mais le livre de Hébreux nous dit que c'est une ombre des biens à venir. Lorsqu'on tue un taureau, un bouc ou une chèvre pour le sacrifice, mais c'est une ombre qui qualifie, qui démontre que Jésus-Christ va mourir sur la croix pour effacer notre péché. Mais les gens pensent, ah, si nous gardons la loi, nous serons bénis. Mais la Bible dit, ce n'est pas ça, la loi est une ombre des biens à venir. Nous allons lire le verset 2. Oui, qu'est-ce qu'il est dit? Autrement, si ce n'est pas cette ombre, si ça c'est l'exacte représentation, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché? Si on tuait le bouc pour le sacrifice, si ça c'est l'exacte représentation des choses, lorsque Jésus était mort, comme il a lavé tout notre péché, si ce bouc avait réellement lavé notre péché, pourquoi n'aurait-on pas cessé de les offrir? C'est-à-dire, en un seul sacrifice, on allait finir. Mais est-ce qu'on ne donne pas constamment ce sacrifice? On va lire le verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices. Ensuite, verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boues ôte les péchés. Les
En fait, le sacrifice en tuant le bouc, le taureau, ça c'est une ombre. Mais ça, c'est l'ombre de Jésus-Christ qui va venir sur cette terre pour être crucifié et mourir à cause de notre péché. À présent, tuer le taureau ou le bouc pour le sacrifice. Mais pourquoi Dieu a fait faire ça? Nous avons appris en tuant le taureau et le bouc pour comment donner un sacrifice, mais ça, ce n'est pas l'exacte représentation. Le vrai agneau de Dieu est Jésus-Christ. Ça, c'est l'ombre qui montre que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui meurt sur la croix pour effacer notre péché. Est-ce que vous comprenez? Nous allons lire le verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Vous comprenez? Verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Quand Jésus est venu sur cette terre, 잡고, 소를 잡았던 그 제사와 예물 원치 않았다. Dieu n'a pas voulu ce sacrifice de taureaux et de boucs. Maintenant, ce n'est pas les taureaux ou les boucs qui sont offerts en sacrifice. Dieu a formé un corps, une offrande. Jésus était le Fils de Dieu. Et comme il était le Dieu du ciel, il n'avait pas la chair. Et donc, comme on avait besoin la chair qui devait être tuée comme le taureau ou le bouc, donc à travers la Vierge Marie, Jésus est venu en la chair, comme le taureau et les boucs sont morts pour effacer notre péché. Jésus aussi a fait la même chose. Alors lorsque Jésus est venu sur cette terre, il n'est pas venu avec, en tant qu'esprit de Dieu, mais il a emprunté le corps de la Vierge Marie et il a porté le même corps, la même chair comme nous. Il est venu sur cette terre et en s'offrant, offrande, sacrifice. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on offrait des sacrifices par des boucs et des taureaux, ça c'est l'ombre, ce n'est pas la vraie méthode pour effacer le péché. La réalité, le vrai, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus est venu sur cette terre en portant la chair et il a offert son corps sur la croix comme dans l'Ancien Testament, les sacrifices ont été tués. Alors ici, on nous explique qu'il a effacé notre péché éternellement et parfaitement. Nous allons lire le verset 6 ensuite. Verset 6. Tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Ça, c'est l'ombre de Dieu. C'est l'ombre qui montre d'avance Jésus va venir faire comme ça, mais ce n'est pas l'exacte représentation. Alors, le verset 7. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est quoi le rouleau du livre? L'Ancien Testament est écrit à travers... Mais dans le Nouveau Testament... L'Ancien Testament est écrit par sur le papier de la peau de mouton, mais dans le Nouveau Testament, on n'a pas écrit sur le papier de peau de mouton, mais sur le papyrus qui est fait en Égypte. Et donc, papyrus fabriqué par les Égyptiens,
En fait, le papyrus, ça, c'est pas conservé un peu proprement, ça se déchire. Mais l'Ancien Testament, comme c'était écrit sur la peau de mouton, c'est bien conservé. Mais le Nouveau Testament, c'est écrit sur le papyrus. Or, le Nouveau Testament était plus tôt écrit que l'Ancien Testament, mais comme c'est un peu beaucoup abîmé, le papyrus est beaucoup abîmé. Sur la mer morte en Israël, on a la Bible en version Qunlan. Un jour, un berger qui était sur la mer morte, il était en train de paître ses brebis et sur la voie, il a vu une grotte. Et en fait, il avait peur de rentrer dans la grotte. Mais il a essayé, en réfléchissant, il a jeté un caillou dans la grotte. Mais quand il a lancé le caillou, il a entendu un pot cassé qui a fait flanc. Et bien, avec les brebis, il est entré dans la grotte. Il a vu que le caillou qu'il avait lancé avait cassé un pot. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce pot? Il y avait ce parchemin. Et on appelle ça la Bible version Qunlan. On ne sait pas si ça fait combien d'années ou combien de centaines d'années ou de milliers d'années. Mais à l'époque, comme il n'y avait pas de moyen pour conserver ce papier, ils ont mis ce parchemin dans un pot et puis ils ont couvert par un couvercle. Et lorsqu'on a comparé la Bible en version Qunlan avec la Bible version originale, vraiment, c'est écrit très exactement et précisément. Et donc, la version Qunlan est devenue très fameuse. Mais aujourd'hui, la plupart du Nouveau Testament était écrit sur le papyrus, comme c'était l'apôtre Paul qui avait écrit en forme de lettre. Donc, c'était beaucoup abîmé. Et dans quelques versions, ils ont écrit rien, pas écrit comme ça. Ou bien dans d'autres versions, il est écrit comme ça. En tout cas, c'est la version Qunlan qui est correcte. Donc, les gens qui avaient découvert les copies de Qunlan ont réalisé combien de fois cette parole de la Bible est vraie. Or, Jésus est mort il y a 2000 ans. Mais cet Ancien Testament, ça fait des milliers d'années, parce que c'est le temps de Moïse. Normalement, l'année où Adam est né est 4004 ans avant Jésus-Christ. Et donc, de 4004 ans avant Jésus-Christ, quand nous multiplions avec 2000 ans, qui est après la naissance de Jésus, alors on va dire qu'Adam est un homme qui était sur cette terre 6000 ans passés. Mais après Adam et Ève, à travers le déluge de Noé, beaucoup de gens étaient morts. Mais après ça, beaucoup de peuples sont nés comme ça sur cette terre. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette parole a été conservée telle qu'elle est. Et ça, c'est vraiment étonnant. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas et disent la version King James. Ou bien d'autres disent la version King James et la version originale ne sont pas vous savez, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Moi, j'aime bien la Bible, la version coréenne. Mais de temps en temps, quand je lis la Bible anglaise pour des références, on ne peut pas comparer la Bible anglaise et la Bible de Corée. Pourquoi? La Corée, c'est-à-dire l'Orient a l'esprit de l'Orient, la civilisation de l'Orient,
Mais l'Orient a la civilisation de l'esprit, mais l'Occident a la civilisation de matière, c'est-à-dire de matériel. Et donc, comme l'Occident a été développé à travers la culture des matières, mais l'Orient a été développé à travers la culture de l'esprit. Donc, ce qui est nettement différent entre l'Orient et l'Occident, les langues d'Orient expriment très bien des choses spirituelles. Mais comme l'Occident a été développé à travers la culture de matière, donc ils expriment très bien les matières, c'est-à-dire le matériel. Par exemple, qu'est-ce qui est différent entre l'anglais et le coréen? En anglais, si quelque chose est mort, on dit « elle est morte ». On dit « die », mort. Ce qui est très déplorable. Même quand le chien meurt, on dit « oui, dog dies ». C'est pas « dog dies », c'est « le chien est mort ». Après, même si c'est un bœuf qui meurt, on dit « cow dies », n'est-ce pas? Même si c'est un cheval qui meurt, on dit « horse dies ». Même si c'est un père qui meurt, on dit « dies ». Mais en Corée, ce n'est pas comme ça. Parce que c'est la civilisation de l'esprit. Lorsque le chien est mort, on dit « il est mort ». Quand le cheval est mort, on dit « il est mort ». Même quand le cochon est mort, on dit « il est mort ». Mais vous avez dit « le chien est mort parce qu'il est mort ». Mais le père est mort. On ne peut pas traiter de la même façon le père et le chien. Le père est mort. Personne ne parle comme ça. Père est différent du chien. Alors on ne peut pas dire il est mort comme ça. On doit utiliser une manière respectueuse. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de termes. Il est entré au ciel, il a fini l'âme. Il a fini son destin, etc. C'est ça. Et donc, en ce point, la Bible anglaise, la version King James, comparée à la Bible coréenne, a plus de mots, de nombre de mots, peut-être plus de 305 mots, comme ça. Pourquoi la Bible anglaise King James a beaucoup de mots plus que la Bible coréenne? Parce qu'en anglais, il y a beaucoup de termes qu'on ne peut pas traduire. De temps en temps, quand je prêche aux États-Unis, je dis les Coréens ont beaucoup de « chong », c'est-à-dire de beaucoup d'émotions, d'amour. En anglais, on dit love, amour. Mais amour et cette affection, cette tendresse est un peu différente. Il y a le mot amour, mais il n'y a pas ce mot affection. Peut-être il est généreux. En tout cas, il ne peut pas interpréter. En anglais, ce mot n'existe pas. Quand je parle du fils prodigue, en fait, pour connaître plus l'histoire du fils prodigue, je suis en train de lire l'histoire en anglais, dans la Bible anglaise. Mais le fils prodigue dans la Bible anglaise et dans la Bible coréenne sont très différents. En d'autres termes, la Bible coréenne est bien salée, elle est bien faite. Oui, parce que la langue a écrit vraiment précisément le monde du cœur. En tout cas, j'ai acheté 300 Bibles de version King James et puis j'ai offert à tous nos prédicateurs qui sont dans la maison. Et puis j'ai dit, lis ça. Même si tu ne sais pas lire, il faut lire. Et si je donne la Bible de version King James, je dis, on va lire ensemble la Bible King James. Et puis lorsque nous lisons ensemble, franchement, on ne peut pas comparer ça à la Bible de version coréenne. Donc, même si ce sont des langues, entre les langues, il y a trop de différences. Traduire le coréen en anglais.
근데 성경을 영어로 된 성경을 한국어로 번역한다. Ou bien la Bible, traduire la Bible anglaise en la Bible coréenne, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors là, ce ne sera même pas la Bible. Beaucoup de gens me disent pourquoi vous lisez le livre de serviteur de Satan. Aux États-Unis, il y a un homme que je connais, il s'appelle Russell. C'est lui qui a écrit ce livre. Il a dit que la version King James est bonne. Oui, c'est bon. Comparé à d'autres livres anglais, c'est bon. Mais comparé à la Bible coréenne, franchement, la Bible coréenne, elle est super. Je peux bien donner de sermons comme ça. Oui, ça ne veut pas dire que je parle bien l'anglais. C'est parce que je prêche en coréen, c'est bon. Mais si je veux prêcher en anglais, je ne peux pas prêcher comme ça. Moi, le fait que je suis né en Corée, je peux lire la Bible coréenne. Mais quand je vais aux États-Unis, de temps en temps, ils n'arrivent pas à traduire mon sermon en anglais. Peut-être qu'on dit, ah, cet homme a beaucoup d'affection. Alors en Corée, le mot mort, combien de mots exprime la mort? Lorsque le père est mort, on ne dit pas qu'il est mort, on dit qu'il est décédé, il a rendu l'âme, il a quitté la terre, il est entré dans les cieux. Mais quand le chien est mort, on dit qu'il est mort. Et quand c'est un méchant qui est mort, on dit qu'il est parti, il a laissé sa cuillère, il est entré dans la grotte, il est allé... il y a beaucoup de termes, d'expressions, mais en anglais, on ne peut que traduire ça, il est mort. Mais en Corée, quand le père est mort, on ne peut pas dire « il est mort ». Comment on peut traiter la mort du père comme celle du chien? Le chien est mort, on dit « il est mort ». Le chien, l'agneau est mort, on dit « il est mort », mais on ne peut pas dire à un père qu'il est mort. S'il n'y a pas de bons mots, il faut créer de mots. Mais lorsqu'on dit « mon père est décédé », ça aussi, ce n'est pas suffisant. En tout cas, il y a de différences comme ça. Mais lorsque nous lisons la Bible en profondeur, c'est vrai qu'il y a de la différence, de la différence de langue. Mais lorsque nous entrons ici, Dieu nous a donné la loi. Pourquoi il nous a donné la loi? Pour montrer en tant qu'ombre la mort de Jésus-Christ sur la croix qui va venir sur cette terre pour notre péché. Donc c'est en suivant cette ombre qu'on a offert le sacrifice d'expiation. Mais dans le Nouveau Testament maintenant, Jésus est arrivé. Vous comprenez? Dans l'Ancien Testament, bien qu'on tuait le taureau et le bouc, le péché n'était pas lavé parfaitement. Si par le sang de taureau et de bouc, on pouvait laver parfaitement le péché, pourquoi Jésus devrait venir? C'est parce que le péché n'est pas lavé parfaitement. Donc, ça nous montre par l'ombre que Jésus va venir laver notre péché. Un jour, j'étais en train de lire la Bible et j'ai découvert une chose très étonnante. Avant que Jésus ne soit crucifié, Jésus est né. Il est né à Bethléem. Le roi Hérode voulait le tuer, donc ils sont enfuis dans la terre de Canaan, dans la terre Bethléem plutôt. Et puis, ils sont revenus à Jérusalem quand le roi Hérode est mort. Mais comme Marie et Joseph avaient peur, ils ne sont pas allés à Jérusalem, à Bethléem plutôt. Ils sont allés à Galilée, à Nazareth. Donc Jésus a grandi à Nazareth et quand il avait 30 ans maintenant et il voulait commencer ses œuvres, dans Matthieu chapitre 3, il y a une parole très étonnante. Bien-aimé, on va chercher un peu Matthieu chapitre 3.
Matthieu 3, verset 13. Jusqu'à présent, Jésus il travaillait autour de Galilée, sur le fleuve de Galilée. Mais dans Matthieu 3, verset 13, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Et donc Jésus, quand il est venu sur cette terre pour commencer maintenant sa vie, son œuvre officielle publique, il est venu d'abord au Jourdain. Le verset 14, il est dit: mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Alors Jean a rejeté. Mais le verset 15, Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Accomplir tout ce qui est juste veut dire laver tous les péchés. Pourquoi recevoir le baptême de Jean est convenable? Jean offrait le baptême de repentance, mais comme Jésus, il n'avait pas de péché, il n'avait pas besoin du baptême de repentance. Mais moi, en lisant la Bible, qu'est-ce que j'ai réalisé? Dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 4, il y a le sacrifice d'expiation. Nous allons un peu chercher Lévitique 4. Lévitique 4, verset. Ici, dans le chapitre 4, il y a beaucoup de catégories de sacrifices expiatoires. Verset 3. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, en fait, le jeune taureau est le sacrifice. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et posera sa main. On dit ici, il posera sa main. Après, nous allons descendre un peu. Après le sacrifice d'expiation du sacrificateur, il y a encore un autre sacrifice d'expiation. Ici, c'est le péché du sacrificateur. Après le verset 13, lorsque c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché, là on dit quoi? D'amener un jeune taureau. Verset 15, poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel. On voit ici qu'on pose la main sur la tête du taureau. Et puis lorsque nous descendons un peu, après toute l'assemblée d'Israël, le verset 27, si c'est quelqu'un du peuple qui a péché, il va amener une chèvre sans défaut. Verset 29, il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. Donc, en lisant la Bible, j'ai lu ces faits. Pourquoi on met la main, pose la main sur le jeune taureau ou la chèvre? Nous posons la main lorsqu'on devient pasteur ou ancien. C'est quoi le bout? La chèvre devient pasteur ou ancien? Pourquoi on doit poser la main sur eux? C'est ça, je ne comprenais pas.
Donc pour chercher ça, vraiment, j'ai cherché longtemps, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Mais vous savez, la Bible a de pères. Et la clé de ce problème est ailleurs. Mais je ne trouvais pas cette réponse. Je disais, pourquoi on doit poser notre main? Pourquoi le bouc, la chèvre, doit recevoir l'onction? C'est quoi, il veut devenir pasteur, ancien ou diacre? Je ne comprenais pas. Mais en lisant Lévitique 16, j'étais surpris. Dans Lévitique 16, le verset 21, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert. Lorsqu'on pose les deux mains sur le bouc, sur la tête du bouc, si ce bouc va mourir pour notre péché, en fait, il ne meurt pas tout simplement. On pose d'abord ses mains pour transmettre le péché. Alors pourquoi Jésus devait recevoir le baptême de Jean-Baptiste? Or, Jean-Baptiste offrait le baptême de repentance. Jésus n'a pas reçu le baptême de repentance par Jean-Baptiste. Comme Jean-Baptiste a refusé, il a dit quoi? Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jean-Baptiste est le fils de sacrificateur, donc il est sacrificateur. Et donc, en recevant le baptême de Jean, ça c'est un processus pour que le péché du monde soit transmis à Jésus-Christ. Donc Matthieu a écrit comme ça. Dans Jean chapitre 1 verset 29. Voici le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque Jésus-Christ a été baptisé, il n'a pas pris le péché de Oxo Park. Il n'a pas pris le péché de Samuel Kim. Le péché du monde entier était entré en Jésus et ce processus était le baptême de Jean. Et donc le lendemain, quand il est revenu, Jean a exprimé comme ça le livre de Jean. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans l'Ancien Testament, on offrait en sacrifice le bouc ou la chèvre. Et le bouc, la chèvre montrait en image un modèle de la mort de Jésus. Donc, ce n'est pas le bouc ou la chèvre qui lave notre péché. C'est la mort de Jésus-Christ qui lave notre péché. Il n'est pas mort vaguement. Jean-Baptiste a baptisé Jésus et nos péchés ont été transférés à Jésus. C'est en ce temps que le péché du monde est fini éternellement, c'est lavé. Donc, à travers le bouc ou la chèvre, on ne peut pas laver le péché. Jésus lui-même s'est crucifié pour mourir. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas cette vérité. Jésus est mort sur la croix, nos péchés sont terminés. Mais combien de personnes disent qu'elles sont pécheurs? Je suis très reconnaissant parce que lorsque j'ai reçu le salut, j'ai dit tout d'abord à mon pasteur et mes amis, ils ont tous ri, n'ont pas accepté. Le pasteur dit qu'il est pécheur, l'ancien dit qu'il est pécheur. Et moi qui suis rien, je dis, mes péchés sont lavés, je sais, rigolo. Donc eux tous, ils me moquaient. Mais vraiment, tu t'amuses. Oxo Park, lui, il est vraiment drôle. Je le connais. Comment il peut dire qu'il est pécheur, qu'il n'a pas de péché? Et donc, j'ai expliqué en détail la Bible. Les pasteurs de cette planète s'étonnent. Parce qu'il y avait que moi qui expliquais la Bible de cette façon. Les gens disaient que je suis étrange, je suis hérétique, mais ça, c'est correct.
Bien aimé, ce qui est étonnant, ce n'est pas une autre chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui disent qu'ils sont pécheurs, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Comme le bouc et la chèvre ne peuvent pas laver notre péché, tu as préparé Jésus. Tu as préparé, formé un corps à travers la Vierge Marie et il a reçu tous nos châtiments à notre place et puis il a fini. Alors que nous demandons pardon ou pas à Dieu, c'est pas parce que nous demandons pardon à Dieu qui va laver notre péché sur la croix. Même si on ne demande pas pardon, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas laver notre péché sur la croix. Lorsque déjà Jésus a été crucifié, il a payé parfaitement le prix du péché du monde entier. Alors, que vous soyez quiconque, vous n'êtes plus pécheur. Amen. Amen. Nous prêchons un tel évangile. Je suis extrêmement reconnaissant. Comme nous ne pouvons pas célébrer le culte à cause du COVID-19, nous le faisons en ligne. Et Dieu nous a permis que 655 émissions diffusent tous mes sermons. Et surtout l'émission Exib Radio de Brésil a diffusé mes sermons. Le directeur de la chaîne, en regardant les commentaires, il était très étonné. J'ai fait plusieurs fois l'interview en vidéoconférence avec Exib Radio du Brésil et il était étonné. Nous sommes très insensés. Mais la Bible nous dit clairement que notre péché sont lavés, mais nos péchés sont lavés clairement. Aujourd'hui, les gens disent, oui, nos péchés sont lavés, Jésus est mort sur la croix, mais ils disent qu'ils sont pécheurs. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Nous, en prêchant un tel évangile, comme Jésus est content de cet évangile, il ouvre les portes dans le monde entier et puis il accomplit son œuvre. Nous avons reçu le pardon de péché à travers cet évangile. Est-ce que vous croyez? Ce n'est pas le sang de boue ou des chèvres. À travers le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, nos péchés sont effacés. Je suis très reconnaissant. On va prier. Seigneur très saint, nous sommes reconnaissants. Le sang de Jésus n'était pas vain. Il a effacé tous nos péchés. Nous louons le Seigneur disant Alléluia. En prêchant cet évangile, il y a toujours tant de personnes en Corée. Ils disent qu'ils croient Jésus et ils ont la Bible dans leurs mains, mais elles continuent de dire qu'elles sont pécheurs. Seigneur, merci de nous avoir aidés à témoigner cet évangile. Dieu, bénissez la Corée pour que tout le monde reçoive cet évangile. Et Seigneur, tu travailles puissamment en nous. Merci à Seigneur qui nous a donné cet évangile précieux. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup à tous.